ceux qui ont des bouteilles dues, allez le chercher. Prenez la bouteille. Nous allons parler à la terre. Je vais vous donner combien de gouttes vous allez commencer à faire. Vous allez dire le nom du village de votre maman, le village de votre papa, et nous allons commencer. Et pendant que vous allez regarder cette vidéo, quand vous arrivez à cette partie, regardez simplement la télévision et puis commencez à faire la même chose que nous. Parce que nous allons parler à la terre. Nous allons lever la bouteille au ciel. Nous allons parler au ciel. Le ciel sera témoin de cette action et la terre rentrera à l'exécution de cette parole. Nous, vous voyez, ça représente l'esprit de Dieu, par le symbole de la puissance de Dieu. That is the symbol of God power. Amen. Amen. Nous prenons la parole de Dieu. We take God's Marc, words. Lisez la Bible, la parole de Dieu dans Marc 6, verset 13. Vous allez comprendre qu'au temps de cette période de Jésus sur la terre, les disciples utilisaient de l'huile. Marc 6, verset 13. On me lit la parole de Dieu. Marc 6, verset 13. Amen. Amen. Vous savez, vous chassez moustiques d'une maison, fait comment? Il faut chasser un mosquito. Hein? Ok. Tu ne l'as pas fait. Hein? Ok. Le jour tu vois des rats, des souris, tu fais quoi? Donc quand il y a une situation, il y a quelque chose qu'on fait. Vous pouvez réguler ça, n'est-ce pas? Ok. Toi, tu as fait quoi pour maîtriser le système de la sorcellerie? What did you do to master? Le point d'interrogation. Witchcraft, that's a question mark. C'est ça le point d'interrogation. That's a question. Je me dis, quelle action tu as menée? Which action did you have? Amen. Mais les ustensiles qui servaient au sacrifice, au service de Dieu dans, le, dans la synagogue, tout était consacré. Were out. Amen. Et si vous connaissez le nom du village de votre maman, gloire à Dieu. Si vous connaissez le village de leur papa, gloire à Dieu. Amen. Tout qu'on fait, c'est dans les deux coins. Forcément, quelque chose doit se passer. Something needs. Amen. Ça, c'est pas vous. It's not you. Il faut que Dieu soit votre juge. God must be your judge. David dit. David said. That's my message de demain. This is sans cause. That is my message. Un piège. Ça ne veut pas dire cause. Souvent vous posez la question, mais pourquoi même les gens ne font pas? Ils s'en foutent de vos questions. Mais ils ont vu des choses. Ils veulent vous nuire. Parce que la sorcellerie, ça veut dire qu'il faut détruire celui qui est bien. Amen. Donc, ils ont fait des choses, ils disent sans cause. On m'a bien tendu un piège. Lève-toi, mais c'est couru. Get up. Amen. Ça sera mon message de demain. This will be my help, my message tomorrow. Il faut que Dieu se lève. That must raise up. Pour qu'on nous respecte. So that we can respect us. Oui.
Yeah. Amen. Amen. Il faut que Dieu s'élève. God must stand up. Pour qu'on nous respecte. So that we can respect. Pour que la sorcellerie les so nous respecte. Pour que la confrérie nous respecte. So that the fellowship can respect us. Demandez ici. Les gens peuvent parler dans les églises. People can talk in the pas churches. Tout le monde qui attaque la sorcellerie. Nous on a fait des saints ministères. Encore du bois ici. C'est la région de ministère. Les minières malgré les sorcelleries. Which is well known about witchcraft. Nous on les a fait tous stopper ici. Ceux qui allaient à la côte là, on les a maîtrisés ici. On leur a montré que là où partait, il n'y a rien dedans, c'est Jésus-Christ. On les a bloqués à niveau ici. Parce qu'ils allaient dans les faux, dans les cartons bizarres pour adorer les fétiches et les faux prophètes de Lakota. Nous avons maîtrisé ici. Comme ils ont vu ça, ils ont envoyé quelqu'un pour détruire l'huile. Il a cherché 5 ou 15 bouteilles ici. Il a 5 bouteilles, quoi, 10 bouteilles à Zaroko. Quand il a commencé à boire, il est devenu fou. When he started drinking the anointed oil, he became ça l'a tué. And he died. Ils ont envoyé un petit qui quittait ici. Vous venez me tuer. Ici. Il est tombé chez les partout de mort. But he fell down here. Chaque fois. And he died, doctor. Every time. Il y a toujours des esprits qui s'élèvent. Always. Parce que maîtriser le peuple d'Ida. Ça vous avez une notion. Ils changent pas la société. This area. Vous venez dire les sorciers de Dieu. Mais la puissance de Dieu. Pourquoi les sorciers ont toujours des sorciers? Tu pries à rien. Right. Nous allons mettre fin à l'oreille. Nous allons mettre fin à l'oreille. Lève la bouteille. Amen. Pendant qu'ils seront en train de faire cette action, vous, voilà, vous prendrez cette action court au travers de la vidéo sur Internet, sur YouTube. Faites aussi la même chose. Vous n'êtes pas devenu donc chiant. Voyez le frère divin depuis l'Italie. Il vous fournira les bouteilles. Prenez la bouteille, parce que le mois de septembre est propice pour les actions prophétiques. D'autres m'ont posé la question, jusqu'au 15, vous pouvez finir l'année, le mois de septembre avec ça. Ne jouez pas avec les actions prophétiques. Le mal du chrétien, c'est la négligence. Nous négligeons tout, nous banalisons tout. Quand ça va un peu, on banalise. On ne prend pas les choses au sérieux. C'est quand ça nous arrive, on court. Mais ça après la mort. Levez la bouteille. Raise up the bottles. Nous allons commencer par le village de notre maman. We can start. S'il y avait un sorcier qui avait le regard, c'est nos vies. We have a sight dans la famille maternelle. Maternal family. Toutes sortes de conférences liées contre toi. Everything. Contre ta maison. Against you, your house. Contre ta famille. Your family. Dieu est témoin de cette action ce soir. Witness. Nous prenons Dieu en témoin. God is. Qui est notre juge, is qui est notre défenseur, nous le prenons témoin. Parce que sans cause, ils se sont liés contre nous. Et lui-même il dit dans Esaïe 54, le verset 15, Isaac, tous ceux qui se lieront contre toi tomberont sur ton pouvoir. Tomberont sur ton pouvoir. Nous allons les faire tomber. Tous ceux qui se sont liés contre toi, venant de la famille maternelle, levez la bouteille. Et vous commencez à parler. Ce que je viens de dire. Dans le côté famille maternelle, la sorcellerie liée contre toi, ta maison, tes affaires, tu lèves cette bouteille et tu invoques la puissance de Dieu. Tu prends Dieu en témoin par rapport à cette action. Parlez. Tu viens les renverser ce soir devant le trône de l'Éternel, devant le trône de la justice de Dieu, devant le trône de. De la justice de Dieu. Tu as quitté où? Pourquoi ils vont venir jouer avec vous? Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de prendre votre argent là tête. Vous êtes fatigué. Amen. Verset. Une, deux, trois gouttes. Pour dire la terre. Cette terre est ton témoin. This crown is my prophétise que tous ceux du côté maternel
On veut dans ta vie la sorcellerie, witchcraft. Tu prophétises qu'avant la fin d'année, qui rentre sur cette terre, tu déclares cette parole ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je déclare cette puissance de Dieu. 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 Amen. Levez la bouteille. Du côté de papa. Paternel. Parlez comme vous avez fait pour côté paternel. Allez-y, allez-y. Je devais se faire. Alléluia, la puissance de Dieu. Alléluia, la puissance de Dieu. Amen. Tu prends la terre en témoin et qui avance cette fin d'année, qui rentre sous la terre au nom de Jésus. Une goutte, deux gouttes, trois gouttes. Allons-y. Parle et verse. Parle et verse. Amen. Que Dieu bénisse. Levez la bouteille encore. Dans ton entourage, ça n'est pas du côté maternel, paternel. Dans ton entourage, la sorcellerie qui s'est liguée dans tes finances, dans ta santé, dans ta maison, dans ton entourage, peut-être tu ne connais pas le nom, mais avant que la personne ne meure, qu'elle vienne confesser, qu'elle vienne te dire que c'est elle qui était la base de ton malheur. Parlez. Que ça soit ton collègue, que ça soit ton voisin du quartier, que ça soit quelqu'un. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Oh, la barachaye, on the praise power. On the praise, shy, on the praise, my Lord Jesus. Amen. Verset, lui, parlez. Trois gouttes. Au nom de Jésus, dans votre entourage, la puissance de Dieu se manifeste, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oh, la barachaye, on the praise. On the praise. Je déclare la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ et que cette action entre dans son exécution au nom de Jésus. On dit Amen. On dit Amen. Si l'on ne reprend ça demain matin, à 5h, à 5h du matin, je ne serai pas avec vous les pasteurs. Vous reprendre avec vous, gardez la bouteille. Si c'est fini, vous allez acheter une bouteille. Ce n'est pas grave. Demain, nous allons refaire la même chose jusqu'à samedi. Maintenant, c'est dimanche, j'aurai l'occasion de donner gratuitement le sel. Amen. Parce qu'il faut que tu parles. Parce que c'est ce que tu dis là. Si tu connais son nom, dis. Et souvent, on connaît le sorcier. Souvent, on connaît. Dieu t'a montré, c'est les gens qui savent. Dis. Amen. Le mois de septembre, là, c'est fait pour ça. Faites tomber tout cela. Comme ça, on va assister au spectacle de leur destruction. Il faut qu'ils tombent. Demain, ça sera mon message très fort. Amen. Amen. Allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous asseoir. Je suis encore avec la même bouteille. Demain soir. Amen. Alléluia. Nous allons poursuivre la première action. N'est-ce pas, samedi. Amen. Dimanche encore, nous allons faire une autre action. Je vous ai montré une grande action avec du sel. C'est que ce que vous allez faire réellement avec ça. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Nous venons de commencer qu'on appelle la retraite spirituelle. Nous venons de démarrer une retraite spirituelle. Cette retraite-là, je pouvais tomber la maladie, les effets, les œuvres des ténèbres. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? On m'a bien saisi? Le dimanche, on Sunday. Ceux qui ont problème de stérilité, those who have problem of, j'aurai l'occasion de vous donner des huiles.
Je montre comment vous allez utiliser. I'll give you oil. Amen. And show you how you're gonna use it. Amen. Amen. Ceux qui ont eu master en célibataire, là, je vais vous donner encore une de. Those who are living in celibacy. I'll give you le master. So un master en situation of celibacy. Vous savez qu'on appelle master? You know what master hein? Is? C'est qu'il n'y a pas pss, 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 pss. C'est que personne ne nous regarde. Souvent on fait exprès pour voir si on va nous appeler. Rien. Fouille. C'est-à-dire que tu as un master de célibat. Means you have master in celibacy. Je suis convaincu qu'après cette rencontre, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Demain nous allons attaquer la maladie. Demain nous allons attaquer la maladie. Nous allons retourner la maladie dans le temps. Je prie maintenant pour tous ceux qui regardent cette vidéo dans le monde entier, dans les 275 pays qui nous suivent. All of the other words. Vous prenez cette vidéo en cours. You take this video. Je prophétise que la puissance de Dieu te guérisse maintenant là où tu le peux dans ton salon. Reçois le miracle de Jésus. Je te délivre de cette maladie dont tu souffres dans ton salon. Que la puissance de Dieu te délivre maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Tenez-vous debout. Stand up. Nous te prions que la puissance de Dieu te manifeste. Et que la grâce de Dieu. Oui, je te laisse le micro, pasteur Philippe, c'est ça. Que Dieu bénisse. May God bless you. Demain, la chose se poursuit demain soir, c'est tous les soirs. Voilà, demain soir. Continuing on the program tomorrow night.